Ma Mission TV, le miroir du monde. Il veut que cette loi-là passe au Parlement. Et moi, je vous dis que ça ne passera pas. La loi, on a fait l'ELECA. Les députés commettent cette erreur d'adopter ce projet de loi. Moi, je demanderai à Félix Tshisekedi de la rejeter. Prenons le cas de Moïse Katumbi, parce que c'est apparemment lui qui est visé. Machine est logonine. Parce qu'il y a une Lubumbashi, une période à mon bout des alaïkas propres. Il y a une période où il y a un logo à Sali Tourouanganate. Mais ce qui est soupçonné, c'est que maman a été tanzanienne ou bien zambienne ou bien nani. Est-ce que tout ce qui marche, ce sont les gens vraiment qui sont pour le développement de ce pays? Ils marchent parce qu'ils sont marchandés par les politiciens congolais. Pour le Congo, nous devons comprendre que le Congo est un peu comme ça. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que par rapport à la réalité du monde. Naïf photo et bamboka naïe, maman naïf photo et bamboka naïe. Et ça, c'est que Ayaki na boye, tata moi si a boye, noko ya boye, oh bazoua qui est enfant adoptif, non. Et il n'y a aucun Congolais qui peut se dire avoir les droits sur un autre Congolais. Qui est Congolais? Congolais de père et de mère, tous nous sommes des Congolais. Et Zali, peso qui, botaine la constitution en Zaïre, attends, Mobutu, et Zali. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, tozali na commune ya Gombe, précisément na galerie présidentielle et sika wapi toyo kozwa makanisi ya ba congolais par rapport ya loi Noël Tshani, loi oyo ezali ko ningisa moi mokembo ka mais et komi ko kabolane ti moi mokembo ke pambate ba mususu bazali pour yango ba mususu bazali contre yango. Actuellement ndenge tozali boye moi mbutu ezali na Lubumbashi. Ba marche ezali ko sala ma ba oyo bazali ko soutenir loi pe ba oyo bazali ko boya loi ya Noël Tshani bisto zali na Kinshasa et toye ko zwa makanisi ya ba congolais par rapport ya makanisi na bango pona makambo etali loi ya Noël Tshani. Est-ce que baza pour yango to bazali contre yango to koma na na kisika yango to meka ko récolter ba penser ya moko na moko. Merci. Puis le miroir du monde. Puis le miroir du monde. Papa, bonjour, bonjour. Vous pouvez se présenter devant la public. Kito Kamilonga Dieudonné, oui. Je suis collaborateur permanent du journal Congo Nouveau. Alors je suis disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup papa. Donc notre sujet du jour c'est la loi de Noël Tshani. Ça vous a intéressé aussi? Oui. Je sais qu'il a déposé un projet de loi sur la congolité. Oui. Loi au terme de laquelle, avant de devenir président de la République, il faille être de père et de mère congolais. C'est ce que j'ai appris. Mais personnellement, je trouve que c'est pas intéressant pour plusieurs raisons. Et nous pouvons prendre deux cas ou trois. Nous prenons le cas de Nicolas Sarkozy en France. Il n'était pas de père et de mère français. Il était d'origine polonaise, que je sache. On peut y ajouter le cas de Barack Obama, d'origine kényane. Il a travaillé pour le bien des Américains. Donc, pour moi, ce projet de loi est tout simplement à écarter. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est l'intelligence, la capacité de quelqu'un. Qu'il soit d'origine étrangère, mais à partir du moment où il est intelligent, à partir du moment où il veut mettre son intelligence au service du pays, je ne vois aucun mal. Alors on peut prendre un Congolais de père et de mère, mais qui n'est pas intelligent, bon, à quoi ça va nous avancer? Et puis nous sommes à l'époque de ce que nous appelons le village planétaire. Donc le village planétaire. Nous nous considérons tous comme des citoyens d'un même pays, des citoyens du monde, la mondialisation. Je me souviens de ce que, quand Thomas Sankara était au pouvoir au Burkina Faso, il avait rendu visite à Marien Ngouabi pour demander à celui-ci s'il pouvait
lui donner quelques ministres afin d'aller travailler là-bas. Voilà, c'est pas mal. Mais la question se pose aujourd'hui, au cas où cette loi est appliquée ou bien validée au palais de l'Assemblée nationale, quelle sera notre conséquence? Non, c'est pas bien de l'adopter. Il faut carrément la rejeter. Il faut la rejeter. Parce que... Ça, c'est votre avis? Oui. Prenons, prenons, qui soutient cette... Non, prenons le cas de Moïse Katoumi, parce que c'est apparemment lui qui est visé. Ils sont nombreux, Il serait de père juif, je crois. Il serait de père juif, de mère congolaise. Mais il a le droit à la nationalité congolaise du fait de sa mère. N'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi on doit exiger qu'il soit de père et de mère alors que sa mère est congolaise? Donc, on peut être congolais de par la maman ou de par le papa. Au moment qu'on est ici, il y a une marche déjà à Lubumbashi. Si, donc... si les députés commettent cette erreur d'adopter ce projet de loi, moi, je demanderai à Félix Tshisekedi de la rejeter, de ne pas la promulguer, de la rejeter. Parce que c'est une loi cynique, hein, c'est cynique. Donc quelqu'un qui est uniquement de père congolais ou de mère congolaise, mais qui est intelligent, mais ça nous intéresse. Merci beaucoup, papa. Ça nous intéresse. Il faut qu'on rejette ça. Merci. Moi, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Hein? Ces divisions-là, ça ne m'intéresse pas. Hein? Père ou mère congolais, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. C'est Merci. Ça notre famille. Merci. Puis, le miroir du... Le miroir du monde. Bote papa. Bote. Kombonani. Kombonana maté makouche. Dans la caméra. Maté makouche. Ndeko maté makouche. Mboke zali koningana par rapport ya la loi Noël Tchani, loi où Noël Asengi na bakonzi ya mboka ba valider propos na ye ya ko ndima moto ko diriger et bonga ya ekiti ya mokonzi lokola président de la République, Assemblée nationale et tout. Sénat et Sengeli Azala, Congolais de père et de mère. Yo, ma canisine, c'est l'unique par rapport à la Pour la loi, on a bien. Pour Taraka Congo, nous avons besoin de comprendre le Congo. Tout le dirigeant, il faut éviter ce que ça fait. Par rapport à la réalité, tout le monde. Mais à part Fachi, a besoin de comprendre. Mais pour la loi, on a besoin de s'appeler Eleka. Bah, faut en assemblée. Est-ce que selon yo avantage mon coup ko sala ceux qui loi wana ezuisika. Oui, pour ngana mon les avantages pour mon priorité abatu mingi ba osepela na loi na eleka de couper ça avantage na mboka na biso ko. Pour ngana mon les appel normal fallait ezala loi na eleka ba ba to assemblée o ba ça ba fait congolais ba voter loi na eleka pour mboka e kendesu liboso o démarrer mingi. Yo ko lobani na ba o ba zolo ba ke loi wana ceux qui fandi na mboka na biso ezala loi o e ko kabola. Et que le ça la division to séparation na d'esprit na ba. Congo ezan boka ba koko batiki la biso. Division moi et tout ko salaté. Donc ils ont tout un avantage ba o bazolo ba ningona c'est que ba za sirité na ba hein na ba nationalité na bango. Po o za vrai congolais akobo ya loi na te po to ebipe na tanga mo butu pe loi na pe ça la kinango. Mais ta moko ce que ba longola ki ango to comprendre ki te mais Pour nous diriger tout ce qui est Tonga, Yambo Kanabiso, il faut que la Congolais de père et de mère. Il faut attendre que Congolais affine à cause de la nuit. Bon, vous venez de le dire, mais je le regrette. C'est rien scientifique comme Noël Tchani peut faire de telles déclarations. Bon, c'est de son droit, hein. Il est le droit de tout un chaque Congolais de raisonner de la façon dont il veut raisonner. Mais c'est un pseudo-raisonnement. Pourquoi je dis un pseudo-raisonnement? Ce temps-là a été dévolu. Voilà. Dévolu pourquoi? Nous sommes ici dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, notre patrimoine et tous. Et il n'y a aucun Congolais qui peut se dire avoir les droits sur un autre Congolais. Qui est Congolais? Congolais de père et de mère, tous nous sommes des Congolais. Voilà. Je peux prendre un exemple parce que vous venez de citer M. Noël Tchani.
qui veut que cette loi-là passe au Parlement. Et moi, je vous dis que ça ne passera pas. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, ouais, je le dis, je suis peuple. Et quand les politiciens aussi parlent, ils parlent au nom du peuple. Voilà. Et moi qui vous parle ici, je parle aussi au nom du peuple. Je vous dis que ça ne passera pas. Non. Prenons le cas, s'il vous plaît, d'Abdoulaye Rodian Ndombassi, qui a été vice-président de ce pays. Tout le monde le connaît. Il n'était pas de père congolais, il était de père sénégalais. Mais Abdoulaye a travaillé. Il a travaillé au compte de la République démocratique du Congo. Prenons le cas de Barack Obama. Obama n'est ni de père ni de mère américaine, mais il a dirigé les États-Unis comme un Américain. Ce que nous voulons... Est-ce que c'est obligatoire de comparer les États-Unis et notre pays, Congo? Oui, nous, ici en République démocratique du Congo, nous prenons toujours des copies-collées. Hein. Des copies-collées, on a fait ceci, on a fait cela, oui. C'est important. Voilà. Et je vais vous dire qu'il n'y a aucun pays. Il y a la théorie là qu'on appelle la théorie de l'avantage comparatif. Je l'ai dit à ma qualité d'économiste de David Licardo, qui avait dit que chaque pays a quelque chose de spécifique à donner à un autre pays. Voilà. Donc il est de bonne loi de faire cette comparaison-là. Pour citer, je voulais dire que cette loi-là, c'est une loi antisociale. Antisociale, pourquoi? C'est que nous voulons, nous, Congolais. Ce n'est plus le temps des discours. Nous avons suivi autant de discours. Les discours ne peuvent pas construire ce pays. Ce qui peut construire ce pays, ce sont les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi. Mettre la concussion à part. La concussion, c'est quoi? Ce sont ces gens-là qui confondent les caisses de l'État à leur propre poche. Si on mettait fin à cette pratique-là, à cette théorie-là, le pays va décoller. Mais quand on dit que non, Congolais de père et de mère, vraiment, le c'est pays... C'est peut-être pour la sécurité en Mboka, un Congolais ou un vraiment nationaliste a coquis jamais qu'on trahir Mboka. Il y a toujours des gens qui ont battu. Mais il y a des gens qui ont battu. C'est plus que battu. Il y a des étrangers qui ont fait sa confiance dans Mboka. Mais qu'est-ce que vous appelez trahison? La trahison, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un tué mis là-bas, c'est comme le président Félix Tshisekedi. C'est le Seigneur qui a décidé qu'il prenne la décision de la République démocratique du Congo entre ses mains. Mais si lui marche à la contre de la loi congolaise, c'est une trahison. La trahison encore, c'est quoi? Les DG, les ministres qui sont là et qui ne font pas leur travail comme il se doit, au lieu de mettre l'argent de l'État dans des caisses, ils le mettent dans leur poche. C'est ça la trahison. La trahison ne veut pas dire seulement que parce que tel n'est pas Congolais de père ou tel n'est pas Congolais de mère. Vraiment, ce discours-là doit être dévolu. Et c'est déjà dévolu même. Au moment où on est sur l'Awa, dans le Lubumbashi, la marche, ils allaient soutenir l'Awa. Malim, ils allaient en plaire dans la province. Ça risque aussi, ils allaient en plaire dans la ville-province de Kinshasa. Et puis, ça s'appelle Soussou. Moi, puis, vous me Soussou. Oui, vous voyez, je disais que nos politiciens, la majorité, ce sont des pseudo-politiciens. Pourquoi? Ce sont eux qui ont les moyens. Et tout celui qui a les moyens, vous voyez ici, nous sommes à la gare centrale, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas utilisés, qui ne travaillent pas de chômage. Et si on tendait même un 20 dollars, 20 dollars c'est beaucoup, 1000 francs, 2000 francs, quelqu'un, non, nous devons marcher. Est-ce que tous ceux qui marchent, ce sont les gens vraiment qui sont pour le développement de ce pays? Ils marchent parce qu'ils sont marchandés par les politiciens congolais. Ceux qui les font là-bas, ils savent. Ils savent les motifs, pourquoi ils donnent cet argent à la population afin qu'elle marche. Mais c'est une loi là qui ne doit pas tenir debout dans notre pays, République démocratique du Congo. Nous sommes tous un. Et notre bien commun, c'est la République démocratique du Congo. Que vous soyez né d'un père congolais, d'une mère congolaise. Mais alors les Congolais là, qui obtiennent leur nationalité, il n'est pas de père congolais, il n'est pas de mère congolaise, mais il est congolais d'adoption. Comment on va traiter ces gens-là? Il ne faut pas amener... La population souffre, nous avons beaucoup de problèmes et il ne faut pas chercher à amener encore un autre problème sur des problèmes que connaît la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Puis, le miroir du monde. Puis, le miroir du monde. Voilà, tu as toujours continué, tu as toujours intervenu. Bon, on a 100% équatorien. Voilà, vous allez côté. Territoire à Biko. Voilà, vous allez moi à Biko, vous savez que vous allez congolais. Loi ya Noël Itchani et Sengi, avant de diriger Mboka, Oyoko Manekitsa Bokondi, le président de la République, Assemblée nationale, Père Yoko Bakistana Sénat, il faut ça là, moi à Mboka, 100% le Kola Yo, Yo Makanisuno Zaliboni. Bon, en tout cas, la Makanisiwana, Ezake,
nzambe asimaki mutema na ye parce que muto ya kokanisa eloko wana muto aza na souci ya mboka oyo muto aza pe 100% congolais parce que tozu mo temps ebele tozo kaka ka mututele papa na yaza muta mboka boye ayaki boye ayaki boye ti lelo bangonde baye kozua pouvoir bazolinga te biso bana mboka tova na mat na kimya na mboka na biso yango wana luan de ko wana Noel Djani azui azana na souci que congolais vivre bien muto ya lingi azala président de la république na mboka oyo papa na il faut to ba mboka na ye mama na il faut to ba mboka na ye ezate que ayaki na boye tata mwasi ya boye noko ya boye o bazua ki en fait adoptif non to lingi muto azali 100% a papa na ye aza 100% congolais mama na ye aza 100% congolais to boye ba biloko wana o ngamba braza o Zambie o Tanzanie o Europe to boye to za na souci lelo ndenge to yoka ki na période a Mobutu que loi on ezalaki bazongi sa loi na balongola ngo pourquoi. Ça fait constitution ezalaki na Mobutu mibeko nyonso wana ezalaki mabe lelo to za na besoin congolais o ya ko postuler azala papa na ye mama na ye 100% congolais to boye makambo ya ba mélange. Merci beaucoup. Bongo avantage nini to ba désavantage nini oyo kozala soki ba adopter loi wana na assemblée nationale. Mon frère soki ba adopter loko wana avantage ezana no ya biso ba kolomboka parce que moni ndengo za wana soki pe yo za 100% congolais okoki kolinga te mboka na ezala salité okoki kolinga pe te ba ndeko na ba soufri ba bomi mboka ngi zaka ba propre congolais ou ba propre congolais ba za 100% total exemple Moïse Katumbi ndenga bongisa Lubumbashi asali makambo minene lelo soko apesi to pesi bo konjo moni te ke ekozala pe makambo mama lamu o ya koiko sala Moïse Katumbi bongisi Lubumbashi na eloko nini parce que na ebi Lubumbashi na période a Mobutu ezala ikaka propre aye na période na emo ba biloko ya sali to kwanga na te mais soki ba sipsoné ye ke mama na ye azaso ki tanzanienne ou bien zambienne ou bien nani to boy babilo ko wana azala nono pembeni to zana besoin ba tope ya mutema malamu o ba ko iko zala na posa ya kobongisa moko oyo ba ko zala ba ko ya pe kaka mais ye tango ba yo ki ke peut-être papa na ye ou bien mama na ye aza congolais 100% te ba zala nono pembeni ba luka ba congolais ya mutema malamu o baza pe ba 100% ba parents na bango baza ba 100% congolais ba yana loko travailler na mboka oyo to boy ba biloko ato bongisaka ato sala kana kwena o mwa bien mais soki oza 100% te mon frère zaka na ba biloko na biso yi ba kotina ka pa papa na oubien pa mama na yo mais toza na besoin muto ya za congolais aya na loko sima mboko ko betela biso ba masolo na te o ya bongisaka bongisa nini parce que ba ndeko baza na katanga kuna bazolela ka ba yana Kinshasa soki katanga ebonga lelo ba katanga ba koya ko luka misala na Kinshasa te bo place o batu baza bien ba bonga ba ko kolongwa kuna na province ba na capitale ko sala nini mais batu soko kelelo na Lubumbashi to na bandeko baza kuna batu bazolela ba na capitale bo Lubumbashi bonga bo Lubumbashi batu balongwa kuna ba ya ko sala nini biso to zo souffrir bandeko na ba ya alisusu bati ka bo mengo ezana katanga ba ya ko souffrir na Kinshasa eza normalité masolo ana ezaka masolo ba balabala. Merci beaucoup. Puis le miroir du monde. Puis le miroir du monde. Mbote papa. Kombo nani? Jean. Ndeko Jean ozali congolais na banzi ete oyoki loi oyo to oyebi loi oyo Noel Djani a proposé na assemblée nationale pour na ko diriger mboka na biso na kiti ya bokonzi lokola assemblée nationale et tout ko diriger mboka to na sénat esengi ozala congolais de père et de mère makanisi na yo ezali boni par rapport ya likanisi wana. Oui, d'ailleurs nani na rectifier eloko moko o lobby. Puisque même na tango ya Mobutu, voilà. Na constitution à Zaïre, et Zalaki, na institution comme président de la République, où ya koyiko postuler na Sigawana, il faut avoir des pères et des mères congolais. C'était ça. Donc, à Zongi Sibiso Kaka, et loko, et Bandra qui dit Zaki Liboso, où peut-être les Congolais, parce qu'ils distraient. Voilà. Donc, voilà l'on a une épisode à moi. Donc, il y a une loi, une loi qui est déjà, une loi qui déjà, une loi qui est appliquée déjà. Dans Zaïre, loi wana ezala ki. Ezali pe soki, botani na constitution en Zaïre, attend en Mobutu, ezali. Yangona, Noel Djani, azonga ka kosala lecture wana, azonga wala kisa ba Congolais. Et puis, je m'étonne que lelo yo, batoba mona kete, mboka lokola Congo, toti kaka mboka ngwe ezala ndenge wana. Et puis, nous sommes à un état fragile. État fragile par rapport à qui et par rapport à quoi? Mboka yo surtout ezalaka et kambamaka na bakolo mboka. Azali tata congolais, azali mama congolaise. Wana moto akoye ko postuler.
lelo tolingi to kabambo kango e pa banani. Alors si tel est le cas, bosalaka la constitution en Mbokango, n'importe qui, même à la suédois, même à l'allemand, à quoi comme président en Mboko. Même exemple les alliés copains ça Macron azali français té Obama dirigea États-Unis Mboka munene ya mokili azala américain ti ma bewa puis ceux qui indien moka yiko dirige Congo. Papa. Ti na mboka na biso. Bato bayaka kuvana na mboka bazalaka. Mais bato ba kolomboka ba kamakana na mboka na bango. Yo tu yeta ngoza nationalité mutsusu. Oyo kuvana na mboka na biso. Okoli na mboka na biso ozana mosala oyo ko ikosala mais institution lokola la chef de l'état batika ngo na bana ya mboka to ko komi comparer na batu wana te Macron akola wapi Obama. Obama akola wapi ata botamaki ata abotamaki na Kenya ou na États-Unis akoleli wapi azali américain. Donc, ton mythique politique même abisso, mboka et kambaka na bana ya mboka. Ton tika biloko a pa pa ma tousu bazo luka ko toke na gauche ou toke na droite. Ba avantage to ba désavantage nini oyo ko zala au cas où ba valider ou loi wana. Té nga na banzi to za ba congolais. Na ba ki congolais to zali to boite ke moto sou ozali mo pa ya, soyi moto botami mama congolaise, papa sud-africain. Yo ndengo zali wana okopona. Voilà. Okopona. Tozali na tozana président ya tozana ambassadeur ya Rwanda. Apona? Kozala congolais. Apte apona azala azala nani? Azala rwandais. Voilà. Yo wana azokosala mosala ya Rwanda. Yo botami na mboko okoluka ka okanga na mboko yo ke okoma président ya République ya mboka di. Finalement yango na lobikete lisusu je répète. Bosala ka constitution ya mboka ke n'importe qui ou alinga comme président de Congo aya pondé ya ko bongisa Congo. Merci beaucoup ndeko na Lubumbashi kuna mwa mbutu mbutu ezali ba o bazali ko soutenir na ba bazali ko soutenir Noël Tchani na ba o bazo soutenir Moïse Katumbi pona ko boya loi wana yo ozana katikati ya wapi papa yo soto wana ngai nazali na sima ya Noël Tchani puisque Noël Tchani aza congolais. Noël Tchani afigi mututé aboyi mututé. Mais azongisika congolais ne sika pas biso ba congolais to zaka toujours distrait. Vous comprendre hein? To zaka distrait. Azongisika congolais que tango wa mubutu alobai que na constitution mubutu alobai que po koma mokozi ya mokoyo. Et c'est que vous allez na tata na mama bazala ba congolais. Voilà, merci na ndenge bozalaki ebele sujet du jour le zalaki kozwa ba makanisi ya moko na moko to ya congolais moko na moko isika zaili par rapport ya loi Noël Tchani oyo asengi na assemblée nationale ba meka ko adopter yango kozala mokonzi ya mboka ko diriger assemblée nationale ko diriger sénat esengeli ozala congolais de père et de mère ezali makanisi ya Noël Tchani azali pe congolais ya pesa ki kaka makanisi kasi esengi na assemblée nationale ba sala musana na bango soki ba kondima to pe ba ko rejeter yango biso tozaka kana katikati ya mboka pona kopesa bino ba information bo s'abonner massivement na mamsho télévision bo pesa biso ba commentaire bo critiquer bo sala oyo esengi ya malamu pona biso et surtout bo s'abonner mbala sima to mona lisusu. Ma mission TV, le miroir du monde.